La première partie de ce film a traité des conséquences de plantation de palmiers à huile sur les communautés. Cette partie traite de ce que les communautés qui vivent dans les régions d'expansion des palmiers à huile peuvent faire. On verra d'abord des exemples de développement économique distincts des palmiers à huile, mis en place par les communautés elles-mêmes. Ensuite, on verra comment les communautés peuvent s'organiser si elles apprennent qu'une plantation prévoit de s'installer dans leur région. Beaucoup de communautés sont en train de développer leur économie locale en utilisant leurs ressources naturelles de façon durable et en conservant leurs droits sur la terre. On n'a pas besoin de tirer notre richesse de la vente de la terre, mais on peut tirer nos revenus de notre propre travail. Les communautés peuvent développer une partie de leur propre infrastructure. Cette communauté a développé son propre système hydroélectrique à partir de la rivière locale pour alimenter en électricité la communauté. Tant que l'eau coule, elle génère assez d'électricité pour les besoins des maisons. Elle tourne tout le temps et l'électricité arrive directement dans les maisons. Tant qu'il y aura de la forêt sur les collines, l'eau continuera à s'écouler dans les rivières. Le peuple indigène Calahan aux Philippines a aussi bénéficié d'avoir protégé sa forêt et ses rivières. Parce que la communauté a sauvé ses forêts, ils ont réussi à embouter leur propre eau minérale de ces rivières. Ils peuvent aussi faire des confitures de fruits sauvages. Les peuples Calahan vendent leur eau et leurs confitures dans les villes des Philippines. En Indonésie, cette communauté de la région Kalimantan Ouest vendent leur miel de la forêt. Leur force réside dans un environnement intact. Il y a encore beaucoup d'arbres à miel et d'abeilles. Ils récoltent le miel, le purifient, l'embouteillent et l'étiquettent pour les rendre prêts à la vente. Beaucoup de produits traditionnels qui sont déjà cultivés contribuent à l'économie familiale. Le caoutchouc est une denrée populaire parmi beaucoup de communautés. Le caoutchouc, c'est très simple. On récolte la sève le matin et on la vend l'après-midi. Il n'y a pas besoin de monopole. Les gens peuvent choisir librement à qui ils veulent vendre, qui est prêt à payer plus. Donc on travaille le matin. Et l'après-midi, on peut jouir des fruits de notre travail. D'après moi, la récolte du caoutchouc, c'est plus facile. On peut récolter à partir de 6 heures du matin et à 9 heures, on a fini. Et on peut se reposer à la maison. Le rendement est satisfaisant. Après notre sieste, on peut continuer avec d'autres travaux, principalement dans les champs. Donc on peut faire tout ce qu'il y a à faire. L'abattage communautaire des arbres, dirigé par Koperasi Utan Jaya Lestari au Sulawesi central, est un bon exemple d'entreprise communautaire. La coopérative a été fondée par 46 villages avec un total de 8300 membres. Les membres du comité de direction sont choisis parmi les communautés elles-mêmes. Aucune personne extérieure aux communautés ne peut devenir membre du comité de direction de la coopérative. Selon les règles que l'on a fixées, pour pouvoir couper un arbre, la communauté doit replanter au moins 10 arbres. La coopérative fournit les semis gratuitement. À présent, les communautés peuvent vendre leur bois à de bons prix parce qu'il est certifié. Autrefois, ils ne recevaient que $50 par mètre cube. À présent, les communautés peuvent le vendre à environ $175. C'est le point de vue économique. Aux Philippines, un réseau d'ONG a soutenu les communautés indigènes qui font de l'artisanat traditionnel. Les techniques de tissage restent les mêmes, mais les styles sont adaptés spécifiquement pour les marchés urbains. Donc, ce qu'on a fait avec fabrication coutumière, c'est de trouver de nouveaux usages pour l'artisanat traditionnel.
On a essayé de les mélanger avec différents matériaux ou de les utiliser pour différents produits pour les rendre plus fonctionnels pour de nouveaux acheteurs. On les vend dans les bazars, les boutiques de souvenirs ou les différentes boutiques au détail. Et il y a la ligne Maudit qui cible le marché haut de gamme. Donc, on choisit ce qu'il y a de mieux, les boutiques vraiment chics pour la gamme Maudit. Tous ces exemples d'entreprises communautaires requièrent un haut niveau d'organisation de la part des communautés. Le point de départ, c'est que la communauté s'est rendue compte qu'elle devait unir ses forces pour commercialiser leur caoutchouc. Elle a créé une micro-entreprise, quelque chose comme une coopérative, pour que les agriculteurs devaient vendre leur caoutchouc à la coopérative et que la coopérative le vend à l'usine. Par exemple, quand les communautés vendent à un intermédiaire, le prix est de 1,5 $ le kilo. Quand nous, on vend directement à l'usine, on peut obtenir le double. Avant la création de l'association des agriculteurs d'EVEA, c'était très difficile d'obtenir un prix juste. Avant l'association, on n'obtenait que 25 cents, soit un quart du dollar américain pour le kilo. À présent, on a la chance d'avoir le double du prix, soit 50 cents du dollar américain le kilo. Maintenant, ça a été prouvé que les communautés peuvent administrer leur propre organisation à l'aide de systèmes basés sur le savoir local. Ces systèmes sont créés par la communauté et gérés par la communauté. Il est important de savoir que le prix d'un produit peut augmenter ou diminuer selon la demande. Donc, tirer son revenu d'une variété de produits constitue une protection contre ces variations. Si le prix du caoutchouc diminue, le prix du bois peut encore être bon. Si le prix du bois est bas, le prix des noix peut être bon. C'est trop risqué de dépendre que seulement d'une denrée pour notre subsistance. Il faut mieux cultiver plusieurs denrées et ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Dans notre région, les gens ont développé un système divers. Il ne dépend pas seulement du caoutchouc, il cultive aussi des autres denrées telles que du riz, etc. Donc, il ne dépend pas d'une seule denrée. Donc, la seule solution, c'est de ne pas dépendre d'une seule denrée ou d'un seul revenu comme les palmiers à huile. On peut cultiver d'autres ressources comme le caoutchouc, le cacao ou le poivre. L'économie locale croît quand les entreprises communautaires sont fortes et qu'il y a une grande diversité de savoirs et de produits. Il y a évidemment bien d'alternatives économiques qui peuvent être développées par les communautés elles-mêmes. À travers l'Indonésie, des centaines de communautés réfléchissent à accepter ou à refuser les plantations de palmiers à huile en tant que voie du développement sur leur territoire. Le chapitre suivant examine les mesures concrètes pour prendre cette décision. Dans une région où les plantations sont prévues, une communauté devrait s'organiser pour décider d'accepter ou refuser la plantation. La première étape est de tenir des réunions de village dans lesquelles tous doivent avoir la possibilité de prendre la parole. Avant de pouvoir accepter un projet, il faut que tous les membres de la communauté et les voisins se réunissent pour discuter de ses avantages mais aussi des risques possibles. Je ne peux approuver un projet qu'avec le soutien de la communauté entière. Si la communauté ne se met pas d'accord, bien que je sois chef du village, je ne l'approuverai pas. La communauté doit aussi assembler autant d'informations que possible. Les communautés doivent obtenir autant d'informations que possible sur ce que la compagnie prévoit réellement de faire.
parce que c'est assez clair d'après les exemples que nous avons examinés que la plupart des communautés reçoivent de fausses informations sur la superficie des parcelles dont ils bénéficieront, sur la somme sur laquelle ils s'attendront, sur le prix qu'ils obtiendront pour la récolte et sur les routes qu'ils seront construites et ainsi de suite sur d'autres avantages. Donc, elles doivent absolument s'assurer qu'on leur dit tout sur ce qu'ils leur en coûteront et sur les avantages qu'ils en tireront. Alors, elles pourront décider si elles veulent vraiment le faire. L'information doit être obtenue des compagnies et des fonctionnaires locaux qui font la promotion des palmiers à huile. Par exemple, les communautés ont le droit d'obtenir du gouvernement local une copie de l'étude d'impact environnemental de la plantation. Il est aussi utile de visiter d'autres villages, comme ceux qui ont refusé et ceux qui ont accepté les palmiers à huile, de façon à obtenir de différents points de vue. Demandez aux gens qui ont de l'expérience avec les palmiers à huile. Vous pouvez par exemple leur demander comment leur vie a changé après 15 ans de travail dans les palmeraies. Je n'ai vraiment pas besoin de critiquer. Il faut juste regarder les choses en détail, de gauche à droite, et regarder la réalité en face. Les militants d'ONG qui n'ont rien à gagner dans la plantation sont une autre source de soutien et de conseils. En plus de réunir des informations sur les plantations de palmiers à huile et sur les droits des communautés, il est également temps pour les communautés d'en apprendre plus sur leur propre situation. Réaliser une cartographie participative peut aider les communautés à revendiquer leurs droits sur la terre avec le soutien des ONG. La cartographie participative, c'est le processus par lequel toute la communauté construit une carte et établit les limites du territoire. L'une des préconditions de la cartographie participative, c'est que toute la communauté s'implique. Alors, le processus tout entier tourne autour des connaissances de la communauté et de ses besoins, de façon à garantir l'accès et le contrôle de la terre. Non seulement ça renforce les capacités de la communauté, mais en plus, c'est un outil qui peut être utilisé pour renforcer le pouvoir de négociation de la communauté. La communauté peut aussi discuter de sa situation économique. Par exemple, établir une liste de toutes ses sources de revenus et de tous les produits que la terre fournit gratuitement et qui devraient être achetés si les terres étaient recouvertes de palmiers à huile. Après avoir réuni la communauté et récolté autant d'informations que possible, la communauté peut alors décider de négocier avec la compagnie. Nous, en tant que membres de la jeune génération, on se réjouit des initiatives de développement. Mais tout dépend de la façon dont les choses sont faites. Les territoires ancestrales et les forêts protégées que l'on ne peut pas exploiter doivent être identifiées et respectées. Ça devrait être à la communauté de délivrer le permis en indiquant quelles zones peuvent être exploitées ou non. À mon avis, si tous les membres de la communauté et des villages aux alentours sont d'accord, alors on peut accepter le projet. Mais ça doit être un accord collectif, fondé sur un consensus. Si la communauté décide de négocier son consentement à l'établissement de la plantation, alors négocier les termes de l'accord est un point clé. Quelle surface de terre va être cédée? Combien de parcelles seront attribuées en échange? Quand? Avec quel taux d'endettement? Toutes les promesses faites par la compagnie doivent être faites à toute la communauté. Toutes les promesses doivent être sur papier. Il y a aussi des communautés qui vont décider de refuser les plantations de palmiers à huile. Selon l'expérience d'autres communautés, il y a des avantages et des inconvénients. En comparant les deux, les inconvénients l'emportent sur les avantages. C'est pourquoi nous sommes tombés d'accord pour refuser la plantation de palmiers à huile sur nos terres, parce que ça voudrait dire perdre nos droits sur la terre. Dans certains cas, quand la communauté refuse la plantation, cela peut entraîner une longue lutte, puisque le droit indonésien accorde des droits à la compagnie.
Les communautés sont dans une situation difficile puisque la plupart n'ont pas de titre de propriété sur leurs terres, donc elles doivent convaincre le gouvernement que leurs droits sur la terre sont importants et ne devraient pas être cédés à une tierce partie. La meilleure façon de faire face à cette situation, c'est de s'organiser et de parler d'une seule voix, parce qu'en étant unies, elles sont beaucoup plus fortes. Et nous avons vu des communautés qui ont réussi à refuser la plantation en étant fortes. Beaucoup de communautés refusent les plantations de façon rapide et avec succès. Les communautés doivent contacter les fonctionnaires locaux pour leur dire qu'elles ont pris la décision de refuser la plantation. Elles peuvent aussi écrire des lettres et des déclarations et demander le soutien des ONG locales. Kami ngambil tanda tangan masyarakat waktu masa itu, kita kirim ke sampai gubernur. Toute la communauté a signé une pétition que nous avons envoyée au gouverneur, au chef du district, au chef du sous-district et au chef de la compagnie. À l'époque, nous avons été invités au poste de police du sous-district et nous avons été contents d'avoir eu l'occasion d'expliquer nos aspirations. La police nous a dit que l'État était propriétaire de toutes les terres, l'air et les ressources en eau. J'ai répondu que c'était vrai. Et que je faisais aussi partie de l'État. On a vécu ici pendant des générations. Je lui ai rappelé qu'il n'était qu'un citoyen qui porte un uniforme comme un autre. Il ne s'est rien passé d'autre. On est rentré à la maison et la compagnie a perdu la bataille. Prendre la décision d'accepter ou de refuser les plantations de palmiers à huile nécessite que les membres de la communauté soient unis, qu'ils aient la capacité à agir rapidement, avec stratégie et avec courage. Cette décision est une décision que les communautés doivent prendre pour elles-mêmes, pour la terre et pour toutes les générations futures.